Aujourd'hui, on était en pêche électrique sur le Théier. Donc, il y a des travaux qui sont entrepris par le syndicat sur le Théier. Et donc, aujourd'hui, on a mis en place un protocole indice poisson rivière. Donc, c'est-à-dire qu'on va échantillonner grâce à un matériel de pêche électrique le cours d'eau sur environ 70 mètres. Et on va récupérer tous les poissons qui sont tétanisés par le courant électrique. Il y a un opérateur avec une épuisette qui va les sortir rapidement du cours d'eau. Et une fois qu'on a fini tout ce linéaire, on va tous les endormir, les mesurer, les peser avant de les remettre à l'eau. Quelle grosse là? Ouais. 102. Bah là, on est en train de finir la. Tu fais un div ou pas? Non. Ouais, il y a des poissons, il y a des anguilles, il y a de la perche. 104. Il y a des 99. Ouais. Non, on va éviter quand même. 106. 103. Là sur le télé, on a trouvé du chabot, de la loche, de l'anguille, quelques gardons, du chevesne. Voilà, donc c'est pas des peuplements qui sont inattendus pour ce type de cours d'eau. Et ce qui est à noter, c'est qu'on n'a pas observé d'espèces indésirables qui seraient exotiques envahissantes, par exemple. Donc toutes ces espèces que nous avons capturées, on va les analyser après au bureau. Et ça va nous donner un indice poisson rivière qui va nous permettre de classer le cours d'eau en plus ou moins bonne qualité. Donc là, ce qu'on peut noter, c'est qu'on a fait des petites anguilles, notamment, donc qui sont un poisson migrateur, qui remonte donc d'abord la Vilaine, puis la Seiche, puis après dans le Théier. Et on a fait des anguilles qui sont plutôt petites, de 2-3 ans, ce qui montre quand même qu'il y a des anguilles qui arrivent à remonter ici, malgré tous les nombreux barrages qu'il y a sur le cours d'eau. C'est vrai que l'anguille, il y a une multitude de facteurs qui expliquent aujourd'hui qu'elle est en déclin. Là, en l'occurrence, c'est vraiment le point intéressant, c'est de trouver des petites classes de taille, donc qui sont aussi hauts sur le bassin versant. Et sur 2 jours après, on va intervenir pour vraiment sauver tous les poissons. Donc là, cette fois, c'est une pêche de sauvetage. On va capturer tous les poissons, mais cette fois, on va pas les mesurer, on va pas les peser. L'objectif, c'est vraiment de les sauver, de les remettre plus bas en aval sur un tronçon où les travaux n'impacteront pas leur survie. Donc souvent, on peut les remettre en aval, mais là, il y a un débit qui est trop faible. Donc on a peur qu'ils survivent pas non plus. Donc on va pas faire de grosses densités sur un petit ruisseau comme ça. On va les remettre dans la Seiche, qui est large et qui peut accueillir tous ces poissons qu'on va sauver. On contrôle nos projets. Il faut que derrière, lors de la restauration, on ait un certain nombre, enfin, on ait un bon linéaire de cours d'eau restauré pour que l'impact négatif qu'il y ait lors du chantier soit rattrapé en fait par l'impact positif qu'apportera la restauration. C'est pour ça que des petits projets de 20, même jusqu'à 50 mètres, même inférieurs à 100 mètres, on les fait pas parce que c'est un impact bien trop négatif sur le moment pour ce que ça peut donner comme impact positif derrière. Donc on va vraiment chercher à avoir des projets qui font largement plus de 100 mètres. Là sur le télé cette année, 2021, on est sur un projet qui fait 3 km. Sur ce type de travaux, souvent ce qu'on espérait, c'est qu'il y ait une réponse immédiate, donc tout de suite après les travaux, que l'année d'après la note soit améliorée. Nous ce qu'on se rend compte, c'est que souvent le milieu répond assez vite, mais pas forcément l'année suivante. Voilà, donc ce qu'il faut s'attendre, c'est qu'il y ait des suivis sur 3, 5 ans et que là on commence à voir vraiment des effets des travaux qui seront entrepris sur le cours d'eau. La biodiversité, on a remarqué, nous ça fait 10 ans que le syndicat existe, et sur les premiers travaux qu'on a fait, alors je crois que c'était 2013-2014, on voit à peine maintenant que le cours d'eau est à l'équilibre. C'est-à-dire qu'il a retrouvé une très bonne diversité, qu'on a de la vie dans le cours d'eau, qu'on a de la végétation en berge, de la végétation à l'intérieur du cours d'eau. Et voilà, on estime qu'il faut entre 5 et 8 ans pour avoir un cours d'eau qui retrouve à l'équilibre.